Les Astriens, Mumba! Mais non, mais quelle bande de casse-couilles, ils sont où? Bon, attends, ah non. Niveau 16, Astrien! Ah, deux niveaux 16, oulala, oulala. Ah, mais l'autre de Lucie, il est parti les affronter? Bah, bonne chance. Je regarde, hein. Oh, mec, il prend tellement cher. Merde, c'est vrai. Au revoir. Regarde Mumba, regarde. Tu vois, regarde ça. Au revoir. Oui. Oh non. Oula. Oui, ok. Mon vaisseau qui est bugué. Non, non, touchez pas ma cible. C'est mon contrat. Ah, mais ils sont trois, ils sont trois. Non, lui là, lui. Ah, mais le vaisseau de Lucie, il se bat et tout. Hein. Il se bat le vaisseau de Lucie, rien à foutre. Il voit des aliens. Rien à foutre. Oh le mec. Feu Mumba, feu. Fire. Feu. Ah, par contre il y a un bug quand on a un crève. En fait faut j'attendre qu'il meure pour que j'en prenne la main sur le vaisseau, non? Oula, ouais, ça fait bugger, ouais. Ça fait bugger Mumba. Et l'autre il est AFK. Bonjour. Il est où ce con? Ça faisait un moment, ouais. Eh, franchement, Mumba, j'ai envie de dire, où sont les chasseurs de primes? Hein, les chasseurs de primes, Mumba? Ils sont où? Mais il est bugué, ou quoi? Il fait quoi? Il bouge pas. Bah... Attends une seconde. Est-ce que je peux aborder? Non. Bah écoute, Mashallah. Oh. T'as 135 d'XP, on prend Mumba. Hein. 135 XP x 3, hein. Oh non, non. Mais regarde quand je tire, regarde quand je tire. Ok, ouais, ouais, c'est vrai, ouais, le mode ciblage aux Astriens. Ah, ça déconne. Bon alors, moi j'étais venu pour l'autre con, moi. Bon, attends. Excusez-moi, voilà, bonjour. It's Johnny. Piraterie. Quoi? Vous faites une... Oh, Mumba. On attaque. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Oh, si. Attends, là, on va dash. Comme ça, voilà. On s'approche. Et là, longue vie au roi. Oh là 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 là, Mumba. Oh là 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 là. Voilà, on va faire comme ça, écoute, hein. 9 foreuses, ah oui, ça prend bien de la place, hein. Et la Mumba, non, non, non. Voilà, easy money. Est-ce que j'ai une prime ou pas? Est-ce que j'ai une prime ou c'est la baise? J'ai pas de prime, bah, là on est d'accord, Mumba. Là on est d'accord. Là on est d'accord. Bon. C'est ça qui est bien, tu vois, Mumba avec les maisons de pirates. Tu vas avoir un vaisseau, tu les casses la gueule. Tu t'amarres. Et voilà. Oh non, non, non. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oulala, oulala. Oulala, le vaisseau en bas à droite. Regarde, 12 000 crédits, 200 d'XP. Tout le loot qu'on a récupéré. Moi, les missions de pirates, mais je te dis... Om nom nom. Om nom nom, l'émission de pirates. Après la contrebande c'est pas mal aussi, hein. La contrebande c'est tu vas, il te donne la cargaison, tu vas sur une planète, t'atterris, mission finie, hein. Mais bon après la contrebande, bah si tu te fais choper, c'est finito. Ok, Vladimir, j'arrive. Toi montée de temple. Je ne sais pas pourquoi je ne prends cet accent. C'est pas le bon système. Tac tac tac.
Voilà, la question, c'est s'il est sur l'Iris ou la loge, en fait. Vous transportez de la contrebande. C'est vrai. Je crois que c'est la baisse, Mumba. Bah, mais ils sont finis aussi, mais pas dans le... Ouais, mais les dégâts que je prends, c'est quoi ces conneries? Bah, super, merci, bande de cons. Non. Ah oui, merci pour les dégâts. Ok. Ils sont finis aussi, mais bon, pas dans le bon sens. Comment ça, Mumba? Bah, si. Ils nous ont demandé de ramener des caisses. Ils ont dit de ramener des caisses. 89%, 89%. On a ramené les caisses, hein. S'il te plaît, merci. Merci. Attends. Si tu devais choper pour les missions de contrebande, mon mission aussi. Attends, bon, ma mission finie aussi, mais bon, pas dans le bon sens. J'ai pas compris, Mumba, je suis bête. J'ai pas compris ce que t'as voulu dire. Capitaine, un bonjour. Plaisir de vous voir. Ah, il est là, parfait. Il était bien l'Iris, ce con. Vladimir, de monter de temps. Ma chambre dans la loge pour qu'Andrea puisse avoir un endroit rien qu'à elle. Tout le monde a besoin d'espace pour laisser vagabonder ses pensées. Et bah merci beaucoup à toi, Vladimir, t'es un bro. Bah, je te présente Mathis. C'est voilà, je... Et Vladimir, tu veux pas faire partie de l'équipage? Qu'on faire de la piraterie, Vladimir, là, allez, 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 Vladimir, allez. Non? J'ai jamais regretté d'être sorti de ma retraite. Un autre temple. J'en ai un. Je pourrais t'expliquer les données cartographiques ou astronomiques. Mais je sens que ça va te barber. Ouais, c'est ça, Mumba, ouais, bah tu as juste à te poser, mission finie, ouais. Pourquoi t'es... Bah, mission finie aussi, mais bon, pas dans le bon sens. J'ai pas compris, là, ça, j'ai pas compris ce passage que le DR, mais bon, pas dans le bon sens, comment ça? Dom, dom, dom. Alors, qu'est-ce qu'on a, Mumba? Faut qu'on aille sur Nicolas 2. Apparemment, c'est assez éloigné. Alors, à quel stade? C'est celui où on a nié, bitch, please. Ah, putain, c'est vrai. J'ai un gros sac. Ah oui, d'accord, Mumba, ouais, ouais. Oui, 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 bah, effectivement, oui, voilà. Bah, après, pas forcément, Mumba, parce que... Ouais. Je sais pas ce qui se passe, si tu t'es chopé, c'est quoi, Je pense qu'ils mettent une prime, hein, tout simplement. Ils te mettent une prime. Après, tu vois, si je sais pas si tu te barres à la frame juste après le scan, est-ce que tu peux guacker, tu vois, le scénarium, si tu vois ce que je veux dire. En mode, est-ce que tu peux esquiver une prime ou que les gens t'attaquent, je ne sais quoi. Enfin, je sais pas. Pourquoi je suis lourd, Mumba? J'ai toute cette merde. Hop. Là, ça se vend. En plus, c'est ça que les missions de piraterie, tu vois, c'est que bah ça donne... Ça donne... Je vais y arriver. Ça donne... voilà, ça donne ce genre de truc, tu vois. Et bon, voilà, bon, ça vaut 1400... 1400 la caisse, hein, 1400 de valeur. Donc au final, bah quand t'as plein de caisses, ça fait de la thune, hein. Ça fait de la thune, croyez-moi. Ça fait un peu de thune. Ok. Il faut aller sur Nicolas pour la mère Patrie. Bon, c'est quoi l'embrouille, Mumba? C'est un système solaire qu'on connaît pas, hein. Mumba. Où sont les... Oh, il y a quelqu'un. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'effectuer des réparations suffisantes pour entrer à bon port. Ah ouais, Liber Astra, ouais. Ah, mais bonjour. J'avais un bon pressentiment vous concernant. On n'a pas besoin de grand chose. Deux pièces détachées font l'affaire. Pff, après, je suis un pirate, hein. Il semblerait que je m'en contrefiche. Il n'y a pas une option en mode, et si je vous piratais? C'est Liber Astra, bon. Attends, Mumba, je vais pleurer parce que... Voilà, t'es le seul qui me suit maintenant sur mes streams. J'ai plus personne. Désolé. Hein. Ah, excusez-moi. Bon, on fait quoi? On lui défonce sa gueule ou pas? Ces deux pièces de vaisseau, c'est hors de question.
Bon après maintenant je suis en procuré, donc à la limite je peux lever le pied là-dessus, mais bon. Franchement, bon Liber Astra, on l'a déjà cassé le cul plusieurs fois, donc il semblerait que je m'en contrefiche. Oh non. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben je vais te le dire. Si on a de la prime ajoutée, je ne crois pas Mumba. Mais comment ça? Effectivement, ils avaient des problèmes de réparation. Ils avaient des pièces de vaisseau, c'est con. Non, Mumba. Mumba. L'argent, Mumba. Voilà, j'ai pas de prime. Non. Quoi, mon personnage, j'ai pensé que c'est une meurtrière. Bon, ça va. Ah oui, du coup, le temple est là. Qu'est-ce qu'on a ici? Un avant-poste civil. Et là, un avant-poste de recherche déserté. Ouais, ok. Et puis c'est tout. Ah, attends, il y a un petit truc là. L'avant-poste civil. Ouais. Bon, bref. L'argent, Mumba. Enfin, le temple, je veux dire. Alors. Ah. C'est un peu loin. Mumba, je me demande où est le temple, hein. Je me demande où il est. Bon, faut aller là-bas, hein. Pour l'XP, hein. On va essayer d'aller vite. Je peux me faire comme la dernière limite break de Zelda là dans FF8. J'avais fait le tour de la planète là. Sans déconner quoi. Oui. Mais des fois mes pouvoirs ils bug, mes pouvoirs sont en panne. Qu'est-ce qui se passe? Oui. C'est quoi ce truc, tout va bien? Voilà, bah oui, voilà. Je sais pas. Ah non, il faut qu'on scanne Mumba, merde, il faut qu'on scanne pour qu'on ait toute la planète. Ah oui. Non. Ça là. Plutonium. Faut qu'on scanne toute la merde. Si les planètes comme ça, c'est très facile à scanner. À croire que les dames n'aient plus d'idées pour bloquer les temples. Mais c'est ça Mumba, parce que le premier temple. Bah ouais, franchement, il était loin du vaisseau, mais tous les autres temples. C'était de la merde. Et on se pose littéralement à côté. Du coup le mini-jeu du scanner, voilà, qui... Se rappelez-vous, quand on regarde un temple, regardez le scanner, il aime pas quoi. Bah ça sert plus à rien, du coup, cette mécanique. Mais que je vois, je suis à côté du temple. C'est quoi l'embrouille? C'est complètement con, oui. Ah, il fait moins 78 degrés, bro. Ça va. Si c'était moins 180, je pense que c'est léger un peu, mais au moins 78, c'est acceptable. C'est acceptable. Oh non, voilà. Donc, du coup, on a le trait. Normalement, ça donne de l'XP. Voilà. 120 d'XP, Mumba, c'est gratuit. Et si je scanne les deux derniers, on va gagner un petit 100 d'XP supplémentaire. Voilà, c'est gratuit. C'est gratuit, Mumba, c'est gratuit. Attends, vise bien. Ouais, peut-être Mumba, ouais. Mais bon, dans ce cas-là, pour cette mécanique de scanner, pourquoi ça te fait chier à faire ça, tu vois? Ça sert un peu à rien, enfin. À part peut-être pour plus tard, pour les derniers temples, parce que tu sais, bon, il reste encore pas mal de pouvoirs débloqués, en plus d'une dizaine. Donc peut-être les derniers temples, tu sais, pour les derniers pouvoirs, là, c'est des temples bien planqués du cul et tout. Mais bon, je sais pas. Bon, sinon, est-ce qu'on voit un truc bleu? Est-ce que tu vois un truc bleu? C'est quoi qui me manque?
Allô? Il manque du nickel, bon, ça va se trouver ça le nickel. Nickel Michel. Vu. Allez. Voilà. 100 d'XP. Et bah c'est tout je crois, non? Voilà, bah, ça fait quand même 220 d'XP juste pour faire ça. Moi je prends hein. Ça c'est gratuit hein. C'est gratuit. Bon, est-ce que Matisse peut se dédoubler? Parce que j'ai des reliques hein, sur moi là, j'ai des artefacts hein. Je lui demande d'en toucher une. Il fait le mini-jeu là, puis voilà, on a deux Matisse. Allez, merci à tous. Où il devient le seigneur des pirates, c'est Oh! Allez, Dieu! J'avoue, faire une instance juste pour ça, franchement, les devs, bon. Quand même. Je peux avancer ou pas? Merci. Oh non. Pas le mini-jeu d'FF10, Mumba. Non, 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 non. Nom, nom, nom. Oh le speedrun Mumba! Oh le speedrun! Ah là j'ai battu mon record là je pense. Oh là 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 là. Ah non c'est pas fini! Ah non j'ai cru que c'est fini! Bon ça va ouais. Enfin, quasi speedrun, quasi speedrun. Putain, je crois que c'est 4 mais non c'est 5. Terrible. Les dieux! J'attends l'unité! Wouah! Ah attends, Mumba l'embrouille déjà. Oh, je sais pas me planquer. Il s'est fait déchirax. En deux balles, je le tuais. Mais je sais pas viser. Bon, qu'est-ce qu'on a du coup? Qu'est-ce qu'on a comme nouveau pouvoir? Est-ce que je peux trouver d'autres temples? Oh, mais ça sera pour la prochaine fois. On a presque un level up Mumba hein. Bah après bon, maintenant on s'en fout du level up. Alors qu'est-ce que j'ai? Canaliser la noirceur de l'espace et rendez-vous presque invisible aux yeux de ceux qui vous entourent. C'est un peu trop tard d'avoir ça je pense. Bordel! Si j'ai eu ça pour Ryujin. Oh lolololol. Et ça dure longtemps ou pas? Si j'ai eu ça pour Ryujin, bordel de merde. Ah ça dure longtemps en plus hein. Ah oui. Ah oui. Eh hey, pas mal. Du coup mon casque me sert plus à rien, mon casque de fufu. Eh ben c'est bien cool. En plus c'est pour ça qu'il s'appelle comment? La forme du néant. The Void. The Void. Turtle. Pardon. bah écoutez, on se casse. On se casse, Mumba, bah voilà. Bah c'est cool un pouvoir qui je pense qu'il va être utile. Je pense que tu es d'accord avec moi. Mais bon, il y a quand même la soldat omnisciente. Mumba. Ne parle pas de sujet qui fâche, Mumba. Parce que là, j'en sais Iron Fury là. On est parti pour l'Angel of Death jusqu'à 4h du matin là. Attention. Attention à ce que tu dis, Mumba. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, bah ça, c'est l'autre con.
On a Xenofresh. Est-ce qu'on finit sur Xenofresh, mon cher Mumba? Consulter tableau de mission. Comment ça? Hein? Mais quel tableau de mission? De Ryujin? Mais j'ai déjà fait, non? Ah non, peut-être pas. Attends. Oh, la contrebande de Seymour. Bon, j'ai déposé cette merde parce que c'est chiant, là. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant d'avoir ça. Tac 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 tac. Bip 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 boop boop boop. Oh, c'est bien codé hein, c'est bien codé hein. De ce que je vois hein. N'empêche, BTG, ils ont dit bah on vous mettra le DLSS. Bon, j'ai envie de dire. Les mecs du modding, ils ont fait ça au bout de deux jours, alors que nous. Alors que BTG, bah, on attend toujours au Mumba. Hein. On attend toujours, hein. On attend toujours, j'ai envie de dire. Hein. On attend toujours, hein. Attends, tac, tac. On attend toujours. Bien le bonjour. Comment ça va? Touche pas à ça, Lynn. C'est à moi tout ça. C'est ma thune. Je suis riche. T'as l'impression si je vendais tout ça? Si je vendais tout ça, mon cher Mumba? Oh non, non, non. Au pire, oh, il est quelle heure? Déjà 58. Aïe, aïe, aïe. Bon, je veux bien grignoter un peu. Bon, on peut essayer de faire quelques rumeurs avant de finir. Enfin une ville qui vaut la peine d'être visitée. Oui. Ah ça c'est Tableau de Ryujin, ouais ouais. Ouais j'ai dû sauvegarder avant en fait. Avant le live précédent. Bonjour. Merde, oula, j'ai appuyé sur quoi? Speedrun. Qu'est-ce que... Mumba? Où est-ce que je suis? Astronirin Taiyo. Ah, c'est... Quoi? Opération... Non, je suis où? Ah oui, t'as tranquillité, drone, évidemment. Ah non, Taiyo, Astronirin, c'est vrai qu'on a jamais été là. Fais voir. Qu'est-ce que nous avons là? Ah, mais Taiyo, il est dans Ryujin. Oh non, Mumba, non, non. Non, non, non. Oh. Taiyo a besoin de vous. Mumba. Je me casse une autre fois. Pitié. J'étais pas venu pour ça, putain. Mais y'a trop de trucs, y'a trop de trucs. Moi je suis comment moi? Le split va durer jusqu'en 2027 là. Jusqu'en 2300. Je sais qu'on a vraiment dans le monde de Starfield. Bip bip boop boop. Mais c'est pas ça le tableau de mission? Si vous voyez Linda... Dégage. Bon c'est de la merde l'émission. Ah non? C'est quoi, c'est quoi? Ah mon bureau c'est ça peut-être? Oh! C'est à moi ça? Oh des aligneurs! Oh oui, oh merci! Oh merci! Oh y'a du loot! Oh merci! Oh oui! Merci à vous! De toute façon c'est le même truc ouais, voilà. Voilà, c'est fait. Attends, me dis pas qu'il y a un truc en mode choisir une mission. Ouais. Parlez à Barrett. Renseignez-vous sur le conseiller chez Reliant Medical. Parlez à Samco. Non, non. Ah oui, chercher le rover Planety sur Mars. Mumba, bah vas-y, go. Bah si, on va le chercher. Mumba, c'est vrai que Taiyo, on les a pas forcément vus. Après, quand je dis chanter spatio, bah, Mumba, tu vois, c'est.
c'est de tout quoi, donc c'est pas forcément des constructeurs ou même des gars, bah tu vois, comme la ligne rouge, bah tu vois, ce qu'il avait dans la ligne rouge, il avait quand même des trucs cool quoi. Mais après c'est que Straud et Elkun là, c'est bizarre, j'ai envie de faire un petit tour là. Je sais plus où ils étaient Mumba. Je sais plus où ils étaient Straud. Où est-ce qu'ils étaient ces cons? C'était pas là là? Exactement, putain je suis trop fort Mumba, je suis trop fort. Je suis trop fort. Bonjour. Attends, on va juste se poser un petit coup là. Des astéroïdes de merde. D'accord, on va finir sur le rover de Mars, mais on va peut-être s'arrêter là, je pense. Je suis un peu fatigué, je vous cache pas. Un peu fatigax. Je vais faire un petit Angel of Death en off là. Avant de dormir. James. Mais c'est le chanteur spatial de Straud & Clown, donc c'est un putain de constructeur qui font apparemment les meilleurs boucliers Mumba. Mais y'a aucun putain de PNJ là-dedans qui peut me faire du business là, ça me trigger là. Y'a personne ici? Bon. Que puis-je faire pour vous, capitaine? Qui vend des trucs? Chaise, à Verso. Je vais pas demander si vous avez besoin d'aide. Ah peut-être. C'est un plaisir de vous rencontrer. Bienvenue dans le meilleur chantier spatial des systèmes occupés. Oui. On est nouveau sur le marché. Ah bon? Mais vous allez comprendre pourquoi tout le monde parle de nous. Qu'ont les vaisseaux Straud et Clown de si spécial? Les autres chantiers spatiaux sont installés depuis si longtemps qu'ils se sont encroûtés. Encroûtés? Prenez Deimos par exemple. Il faisait déjà des vaisseaux comme mon grand-père faisait ses dents. On a donc étudié ces vieilles entreprises pour savoir comment moderniser et innover dans le secteur. Vous ne me croyez pas? Vous voyez par vous-même. Votre chantier spatial est impressionnant. Merci. Quel genre de vaisseau recherchez-vous? Ah! Ah, bah voilà Mumba, voilà, voilà! Montrez-moi vos vaisseaux! Tout de suite. Déjà, le rituel, comme j'ai dit. Le Privateur 2, c'est quoi cette biscotte? Dégueulasse! Mais. Nul. Le Trébuchet 2, non mais c'est la même chose. Non mais c'est du troll là, vous trollez, regardez, c'est quoi la différence? Quasiment aucune! Le Galiléo 3. Bon pour l'instant voilà. Oh putain y a combien de carburant là? 1100 de carburant? Non mais MDR. Okay. Le... Non mais Mumba. Non mais... C'est quoi, c'est Minecraft? C'est quoi ça? Qu'est-ce que... Mais c'est ignoble. Désolé hein. J'en parle à Walter, hein, ça peut de la bite. Mais vous faites que ça en fait, que des carrés. C'est pour ça, voilà, moi je préfère faire des formes exotiques. Biscotland, non mais c'est même plus Biscotland là, c'est Toastland. Ils sont tous comme ça, Vindicator 2, bah c'est nul, Vaughan C, ouais. Le Warwolf, et bah c'est bien de la merde, je suis extrêmement déçu. Je pense que c'est le pire PNJ qui vend des vaisseaux. Alors. Bien entendu. Mumba, c'est ici, s'ils vendent pas les meilleurs boucliers, je me la coupe. J'éteins le stream. Bah tiens, regarde, direct sur les boucliers. Alors, attends. Évidemment. Bon, y'a pas des... Ouais, bon, y'a que ça. Bon, je pense qu'ils vendent que du Straud, c'est ça, quasiment. Ouais. Ah, une passerelle Contiki. Ah, mais c'est ça que j'avais vu tout à l'heure, du coup. Ah. Pose d'équipage 6. What the fuck. D'accord. Donc il y a ça ici, c'est bon à savoir. Les amarres, bon. Bon, ils vendent que du Straud ici, ils s'emmerdent pas. Hein. Bon, c'est comme chez Demo, je pense. Les moteurs. Qu'est-ce que vous avez en moteur? Ah bah voilà, bah, ils ont les moteurs de la ligne rouge là. Donc ça, moi, ça m'intéresse ça. Ça m'intéresse, moi, Mumba. Après, ça, c'est mieux ça en réalité. Hein. Ouais, ce moteur est mieux, mais bon, j'aime pas la forme malheureusement. C'est de la merde. Ok, les réservoirs. Bon, oh putain, oh le réservoir, oh le réservoir. Train d'atterrissage, ok. Astromoteur. Ouais, c'est celui que j'ai, je crois. Habitation. Les réacteurs. Ah, qu'est-ce que vous avez des réacteurs intéressants ou pas?
Le mien il a combien déjà, je m'en souviens plus. 34. Est-ce que vous avez mieux que 34? Bah c'est celui que j'ai, je crois, c'est celui-là hein. Ok, pas tellement, j'ai l'impression. Non, c'est pas le même réacteur. On peut pas comparer? On peut pas comparer? Attends, 5,09, 102, 1020. 5,09. Ah, il a plus de coque, mais il répare moins vite. Donc, alors, les boucliers Mumba, alors là, on discute. Là vous êtes des pros du bouclier, ce que vous me dites. Qu'est-ce que vous vendez comme bouclier? What the fuck, c'est quoi ça? Et bah, je suis déçu, Mumba. Je vais me la couper, j'éteins le stream. Après, il y a celui-là, voilà, 1600 boucliers, c'est énorme. Hein. C'est un sacré bouclier, mais voilà, 12 de puissance, hein, faut les mettre les points dedans. Hein. Faut les mettre les points dedans. Bah, je m'attendais à des trucs plus sexy, hein, franchement. Après, en vrai, je peux mettre celui-là. Hein. Mais ouais, je vais être perdant, je pense. Moi, j'ai quel bouclier là? Ils ont pas le bouclier que j'ai? D'accord. Ah, si, c'est celui-là. J'ai celui-là, 7 de puissance. Du coup, on passe à 10, je suis à 975 de bouclier. Ouais. On s'emmerde. Ah, par contre, en structure, ils ont rien du tout en structure. Ah, ouais, c'est la dèche. Alors que le mec de la ligne rouge tout à l'heure, il avait plein de trucs. Ah, les armes, vous avez des trucs rigolos ou pas? Ou c'est de la merde aussi? Qu'est-ce que vous avez là? Eh ben, Mumba. Tu sais quoi? Ils ont de la merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Étoile Alpha, ouais. Lance-missile Tsukisasu. Fuck. Tsukisasu tout. Oh putain, laser Reza, 63 de dégâts au bouclier, hein. J'avoue, Mumba, c'est sexy. Puissance maximale 4, par contre, ça fait mal. Et 63, attends. Excusez-moi, hein. Comment on fait pour se déplacer déjà? Moi j'ai quoi comme laser déjà? Où sont mes lasers? Non. Non. Non, ah c'est là. 24 de bouclier mes lasers. Non mais attends, il tire plus vite aussi. Où est-ce qu'il était là? Ah mais 1,5, ouais, ouais, donc ouais, d'accord. 63, 1,5 Mumba. Ouf. Putain, faut calculer. Bah déjà, tu divises par 2, la cadence de tir ça fait 2, donc ça fait 48. Attends, Mumba, faut réfléchir. Oh là là, attends. Pour passer de 4 à 1,5, tu divises par 2, ça fait 2, donc tu tombes à 48, et après c'est un quart de 2. 0,5, le 0,5 manquant, on est bien d'accord. Donc un quart de 24, ça fait 6. Donc ça fait 24 plus 24, 48 plus 6, ça fait 54. Ça fait 54 Mumba. Après, voilà, ils ont 3 de puissance, voilà, c'est ça le problème. Et eux, du coup, c'est 63. C'est pas mal. C'est pas mal Mumba. J'ai bien envie de tester, hein. J'ai bien envie de tester. Est-ce qu'on testerait pas ça? Toi, la canon électrique, what the fuck? Ah, non, mais là, je tombe sur les rambées. Est-ce qu'on teste ça? J'ai bien envie de tester. Après, voilà, bon, ça va tirer lentement, mais bon. Ouais. Franchement, les canons qui tirent lentement, je pense que c'est mieux. Parce que les petits canons qui tirent rapidement, bah, il y a, on va dire, ça burst. Mais une fois qu'il y a. En fait, comment dire? Une fois que le canon est vide. Faut attendre qu'il se recharge, tu vois. Alors qu'un canon comme ça, il tire en continu en fait. Tout le temps. Donc pour moi, je pense que c'est plus intéressant. Genre les canons de gauche, je sais pas ce que j'ai là, bah, ça tire en boucle. Hein. Rien à foutre. Par contre, voilà, ça demande plus de puissance. Mais bon, ça c'est pas un problème. Donc je pense qu'on va tester ça, Mumba. Aïe. Oula. Attends, qu'est-ce que tu me fais là? Non. On va tester ça, Mumba. Je mets plus d'armes. Non. Espèce de con.
On teste, Mumba, on teste. Bon, on peut le tourner ça ou pas? Ah, ça se tourne pas cette merde! Mais non, c'est pas sérieux. Moi, je les mets là, les canons, ça, c'est vrai. On peut pas les tourner? Ça, c'est con, on se regarde, là, là regarde, là, c'est pas trop mal, là. Là, c'est pas trop mal, et là? Et là, attention, attention. Et c'est de la merde. C'est de la bite. Oh, c'est quoi ça? Franchement, on peut pas faire un effet miroir, là. Où je vais me mettre ici, quoi. Si nul. Ah, attends une seconde. Peut-être que... Attends. Ah, si je fais ça, plutôt. Comme le chien de Mickey. Hop. Ouais, mais là, c'est ça, c'est dégueulasse. Est-ce que c'est dégueulasse? Oui. Bon, écoute, hein, j'ai pas le choix. Voilà. Oui. Laser Reza. Et voilà. Du coup, 21 000, qu'est-ce que c'est 21 000, Mumba? C'est des miettes. Et je gagne en puissance de feu, ouais, bah c'est bien. Ah non, mais c'est Mumba, putain. Oh. C'est vrai. MK4. Oh là 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 là, ce mole. Et bah parfait. J'ai envie de tester ces armements. Bonjour. Bienvenue chez Stroud et Clou. Et bah voilà, c'est on ça fait un chantier d'un aval de plus, c'est bien. C'est bing. Ah là là, j'ai envie de tester les armes. Oh attends, Mumba. Je t'embête, je sais qu'on s'emmerde, Mumba, on s'emmerde. Mets un peu de piraterie avant d'aller dormir là. Il faut tester ces canons. Je veux voir les dégâts. On prend un petit tag de piraterie là, tranquille. Tu vois là. Et je pense, ouais, honnêtement, je pense que les canons qui tirent lentement, je pense que c'est plus worse. Parce qu'au moins, voilà, le DPS est constant, voilà. Alors que les canons qui tirent rapidement, bah ça envoie la sauce et après, bah comment dire. En 1v1, en 1 versus 1, je pense que c'est bien. Y'a pas de doute, c'est le mieux. Mais en 1 versus 3, bah là, salut. Hein. En 1 versus 3, c'est terminé. Tu défonces le premier vaisseau, bah après, faut t'attendre que ça recharge pour le deuxième, etc. Alors que là, au moins, là, ça va bourrer non-stop. Là, ça bourre non-stop. Bonjour. Et l'heure. Oh oui Mumba. Oh là 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 là. Attends, mais Exil c'est... Non, ça c'est Krill ça. Exil c'est où? Et comme un con, j'ai pas pris la quête. C'est là-bas, oui c'est vrai, c'est là-bas. Alors qu'est-ce qu'on va emmerder Mumba? Je ne sais pas. Lucé. Bonjour. Je viens chercher l'argent. Des Astriens. Chasseur de prime, peut-être? Allez là, envoyez la sauce. Oh. Le slipstream. Allô, vous me recevez? What? Attends. Oh non. Oh non, Mumba. Il y a une témoin. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon appel. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de compagnie. Je suis le docteur Sola Banglawala du Tarn Atlantis. Je réalise une étude géologique. Ah non, on l'a déjà vu elle. Dans le cadre d'une opération de recherche. Oui, oui, on contacte afin de savoir si vous nous... Ah. J'ai plus qu'à cette caillou en stock, je voudrais si je peux, ouais. Je ne sais pas comment vous remercier. Je suis à la recherche de lithium, de platine et de vanadium. J'ai pas de tout ça, je pense, non. Ouais, j'ai rien. Je vais tenter ma chance dans un autre système. Voilà. Bah en fait si Mumba... Oh putain, oui, non, on reconnaît ta blague, ouais. Non mais pitié, j'aurais dû l'attaquer. C'est toutes les choses que je peux faire sur le vaisseau, ouais. Plein, je touche un peu de tout, tiens, on va changer. Et vous avez déjà remorqué des vaisseaux de recherche jusqu'à Jemison dans l'espace? Si mon astromoteur redémarre pas, on va peut-être en arriver là. J'ai une belle collection de roches, vous savez. Je passais mes week-ends à récupérer des échantillons sur Jemison.
Je n'aurais probablement jamais dû le dire à mes collègues. C'est sûrement pour ça qu'il m'a envoyé, moi, et pas un pauvre doctorant. Mumba, putain, Mumba! J'ai plein de blagues sur les géologues. Non, 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 non. Oui, ta gueule, la cousine de Maxou, ça suffit. Bon, alors, l'autre, là. Il est parti? Il s'est fait la malle? Il est où? Non? Est-ce que c'est connerie? Je le vois plus. J'ai perdu la... Ah non, mais attends, il doit être là. Ah, il s'est caché! Il s'était caché! Alors du coup, ouais, attends. Comment ça marche les lasers là? Bon, ça sent la surprise, ça sent la surprise, monsieur Chocobo. Enfin, Mumba, pardon. Faut que je bourre au cul droit. Bonjour? Tout va bien? Oh oui, maintenant on est entre nous deux. Donne-moi! Bordel, j'en ai ma claque des pirates. Ah oui? La guerre. Grosse erreur! Ah ouais? Attends. Voyons voir. Ah non. Ah, je m'attendais plus de dégâts, je suis un peu déçu. Mais au moins, regardez. Ah, quoi que j'ai rien dit. Oh, le coup critique, quoi. Le coup critique a fait plaisir sur les boucliers. Oh, nom, 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 nom. Oh, nom, nom, Mumba. Mais bah, prends. Oh, putain. Du coup, c'est ça les lasers, ouais. Les lasers rouges. Regarde-moi, c'est de faire la saucisse. Regarde-moi, c'est de faire la saucisse, Mumba. Feu! Feu! Mort! Mort! Pardon. Et bah voilà. Et bah écoutez, on va finir sur le gros V. Attends. Le gros V, oui. Sur Mars. Qui est. Qui est... Je ne sais pas où. Où est-ce qu'il est? Trouver l'appel... Putain, y a un... Apparemment, on a un appel de détresse sur Charib. Ah bah putain, ça fait 8 mois de ce qui... Oups. Chercher le rover de Bounty sur Mars. Ah, rover Bounty, oui. Ok. Jasper Cricks. Merde, mais y a pas le moindre truc vivant en vue. Et ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça, mon cher Matisse? Mon cher Judas, c'est une découverte incroyable! Oh là 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 là! Bonjour! Ah oui, d'accord, y a une collection de boules de neige en fait. Lol. Et bah, super, Mumba. Et bah, super. Attends, on va faire l'appel de détresse puis on s'arrête là, je te promets. Attends, l'appel de détresse, ça m'intrigue là, c'est où ça? Oula! Niveau 65? Quoi? C'est une rumeur de milieu, hein. Est-ce que j'ai peur, Mumba? Pas du tout, on y va. Comment on fait pour y aller? D'accord. Attends. Là, faut que je passe par là. À Zozma. Et la chasseur de prime niveau 60. Allez, là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Maintenant, pour les batailles spatiales, je suis chaud. Là, je suis chaud. C'est nul. 3 sur 20, le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, mon cher Mumba? Eh ben, rien du tout. Y a rien. Sur Zozma. Y'a rien du tout. Que dalle. Que dalle. Pas de vie, que dalle. Pff, pas d'installation. Ah, faune marginale, ouais. Peut-être live, il peut avoir des trucs. Mais bon. Pas intéressant. Allons-y. Niveau 65, est-ce que j'ai peur? Non.
On n'a pas peur, Mumba, on n'a pas peur. Let's go. Wouah. Et là, on va tomber sur Juno. Oula. D'accord. Qui me parlait? Fournaise. C'est quoi cette connerie? Ça sent la température. Température tempérée. Bon. Et qu'est-ce qu'on a ici du coup? Oh, c'est quoi cette planète? Rocheuse. On dirait des océans. Et bah, y'a rien non plus ici, mon cher Mumba. On s'emmerde, oui. On s'emmerde, mais. Il y en a des ressources, hein, mais bon, ouais, putain. Ouais. Charib 9. Bref. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Allons-y. Attends, je suis la quête ou pas? Ah, opération graine d'étoile, rendez-vous à la fournaise. Ah mais du coup les rumeurs peuvent emmener sur des quêtes. D'accord. Bah peut-être bien, oui. Tu sais les rumeurs pour l'instant j'ai un truc que j'ignorais un peu depuis 44 lives hein, quand même. Ouais. Ça a peut-être le temps de s'y intéresser. Oula, attends, où est-ce que je suis là? Il fait un petit 10 degrés, tout va bien. Oulala, c'est quoi ce bordel? Oui d'accord, il y a de la faune et tout. Où est-ce que j'allais là-bas, ok. On va sortir le paf paf parce que... Ah. On a la télé à ce que je vois. Bah tiens! C'est quoi, c'est un lieu avec que des robots? Bonjour! Humain d'origine inconnue détecté. Désignation exogène. Vous approchez d'un site secret confidentiel. Ah! Indiquez la raison de votre présence. Partez. C'est vous qui avez envoyé les transmissions, les gars, là. Enfin, les boîtes de conserve, mais. Accusation de réception du signal de détresse. Explication. Acceptable. Accès accordé à la fournaise. L'exogène devra livrer 150 unités de cuivre. Compensation adéquate prévue. Ah non, il y a des humains. Tobias, ah. Arrêtez. Nous avons de la visite. Livrer 150 unités de cuivre. Bumba. Livrer les ressources nécessaires. La compensation. Bitch, please. C'est incroyable. Bitch, please. Nous attendons une visite depuis si longtemps. Ça, Mathis. Ce jour est enfin venu. Ouais, Charib est loin de tout, vous devez pas voir grand monde. Nous ne voyons personne, jamais. Votre arrivée est historique, mais beaucoup ont peur de ce que cela préfigure. Les ténèbres. Les ont fermé leurs portes et débattent pour savoir quoi faire. Le reste se cache en attendant de voir dans quel sens tournera le vent. Franklin saurait quoi faire, c'est le plus ancien d'entre nous. Je suis vieux. Mais non, je vais parler, ah oh, putain. Pourquoi les gens se cachent-ils? La fournaise est une poudrière au bord de l'explosion. Nous nous remettons à peine d'un conflit mortel qui s'est déroulé il y a 3 ans. C'est pourquoi nous sommes si peu à vous accueillir aujourd'hui. Qu'entendez-vous par les sociétés? La plupart sont comme moi, libres et non alignés. Mes 3 sociétés se retrouvent souvent à couteau tiré. Les croyants, les pragmatiques et les renégats. Oh là là là, Mumba, oh là 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 là. Franklin est le chef des pragmatiques. Oh là 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 là, ouais, je vais voir ce Franklin, ouais. Patience, je suis sûr que les autres se montreront. Ne serait-ce que par curiosité. Oh là 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 là. Alors attends une seconde. Livrer 150 unités cuivre, ça on peut le faire. On peut le faire, Mumba, ça. Easy. Easy money. On peut le faire. On peut le faire. Ouais, je suis à trop loin, mais non. C'est vrai, avoir un peu plus de réservoir, ça serait pas mal.
Ça serait pas mal Mumba, hein. Putain, mais je sais pas mon niveau. Ah, ça serait cool. Hein. Celle-là, on commence à faire des sacrées distances hein, depuis Sanctuary. Hein. Ah, mon cher Mumba, hein, je pense que ouais, putain. Après Sanctuary, pour tout déménager, Mumba, pitié. Ça se trouve, je vais être obligé de faire ça. Hein. Je vais être obligé de faire ça, hein, ça se trouve. Hein. Il faudrait qu'on ait une installation au milieu de la galaxie. Là, ça serait top. Top tier. Qu'est-ce que je voulais faire ici? Ah oui, du cuivre. 152 cuivre. Ça tombe bien, j'en ai 3 milliards. Et encore. Ah! Attends, mais y'a pas de cuivre là? Non, tout est vide. Alors! Dundonium. Dundonium. Là où sont les caisses de cuivre quoi? Oh! On peut pas crafter une échelle ou un truc là pour les hauteurs? C'est un peu casse-couille. Ah, à moins que je fasse. Ah, peut-être faut que je fasse ça en fait. Ouais. Tac. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Voilà. Alors, le cul cuivre. On prend le cul cuivre. Ah, mais c'est ça, voilà, ça le problème, Mumba. C'est ça la bite. Merde, j'ai pris un truc qu'il fallait pas. Oh putain. J'ai pris un truc qu'il fallait pas. De 64. 64. Pourquoi on n'a pas un Jarvis, un Applied là pour tout centraliser là? Oh. Mais d'accord, on est pas couché. Hein. Ah ouais, d'accord. Y'a quoi là-dedans là? Y'a rien? Bizarre. Oh, 76 de cuivre! Om nom nom nom! Il m'en manque un, c'est une blague. Je vais me la couper. Je vais me la couper. Non. Attends, ouais, c'est chiant. Bah, on peut pas faire une plateforme pour monter ou je sais pas, un truc quoi, quelque chose. S'il vous plaît. Y'a rien de tout ça là? C'est vrai qu'il y a un peu dommage, je trouve. Ça manque de plateforme. Ça manque de plateforme. Ça manque de plateforme, Mumba. Ah ouais, sinon je peux tricher avec ça. Hein. Ah ouais? C'est un peu con de faire ça, mais bon. Écoute, hein. C'est de la merde. En plus, ça fait du bruit, ouais, c'est génial. Ouais, non, 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 non. Ah, non, 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 ferme-la. Ça dégage. Gros bruyant. Je crois qu'est-ce qu'on pourrait mettre. Ouais, putain, si je pouvais mettre ça ici, ce serait bien. Je mets ça. Mais c'est de la merde. T'as pourquoi il met pas d'échelle? Ah, tabouret, non, tabouret. C'est nul. Oh! Oh, Mumba, what the fuck? Oh! Mais. J'avais pas vu ça, moi. Bonjour, je suis Sarah. Allez, c'est reparti, je suis là de nouveau pour l'aventure. Ah, déjà, t'as fait quoi depuis ce temps? Hein? Depuis que je suis devenu un tableau. De quoi t'as caché les pirates? Pardon. Le diable. C'est un peu de la merde. C'est un peu du caca. MDR.
Voilà, c'est nul. Alors, mais au moins c'est plus confortable. Putain, y'a rien ici. Super. Non mais ça y est, il m'en manque un de cuivre. Mais attends, mais c'est sérieux Mumba là? Ah mais non, je sais Mumba. Je sais. Y'a tout ça là Mumba. Oh non. Ah bah voilà. Je suis riche, j'ai plein de trucs. En juste un. C'est bon, on peut y aller. Je pose ce cube, puis après on va s'arrêter là. On fera la suite de cette quête une autre fois. On peut pas virer cette merde, attends. On peut pas tricher en mode... Ah. Oh. Tu vois. Mais toujours le gaz. C'est nul. 3 sur 20. Alors qu'est-ce que tu fais? Alors là par contre je vais te baiser, je pense pas y aller je pense pas qu'on puisse y aller direct. C'est un peu loin. Évidemment. Non je regarde, peut-être un voyage rapide si ça marche. C'est la baise. Oh oui. Oh là 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 là. Ah, oui. Le Bélacan, j'ai 152 cuivres. Parfait. Bonjour. Tu ne quittes pas la fournaise. Cadeau. Authentifié. Rémunération en cours. Interaction sociale terminée. 2500 crédits. C'est nul Mumba, bon. On a 100 d'XP, on prend. C'était voir, c'est pour juste 150 de cuivre. On en a une tonne. Je vais juste m'abriter. Hein. Puis on va s'arrêter là. Pour ce soir. J'espère que ça va pas trigger le dialogue. Oh merde. Papy, tu te calmes. Bonjour. Je suis vieux, Franklin. Non. Krakos. Ferme la porte. Voilà. Bon, écoute, Mumba. Merci en tout cas de m'avoir soutenu pour ce live. Mathis et moi, on va s'occuper là de ce petit costard cravate là, si tu vois ce que je veux dire. Oh oui, Mumba. On va s'occuper de lui, crois-moi. On va s'occuper de lui. Bah, je te souhaite toi une bonne nuit, merci à toi, bon geekage, bonne nuit, tout ce que tu veux. Et puis bah, rendez-vous bah, peut-être demain soir, enfin du moins ce soir. A voir si je suis là ou pas, si je suis d'après-midi ce week-end. Bah, pour un autre live Starfield ou de l'Angel of Death. Oh allez, salut Mumba. Et surtout, n'oublie pas Mumba. Longue vie. Non, 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 non